Coucou, c'est Zia Steam. Quoi de plus versatile qu'une femme, deux femmes. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'avais choisi au départ de vous faire un très 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 long haul dans lequel haul tissu, dans lequel j'aurais mis le haul de plusieurs commandes. Et je me suis rendu compte que ça allait faire vraiment une trop trop longue vidéo. Donc, je vous tourne cette intro après avoir tourné la totalité des hauls et j'ai décidé de scinder. Donc, vous allez voir sur cette vidéo un haul Lollyshop. Une grosse partie des tissus ont déjà été lavés puisque mon état de santé ne m'a pas permis de tout de suite tourner. Donc en attendant, laver et tendre, c'était jouable. Tourner la vidéo, ça ne l'était pas. Donc je vous fais toutes mes excuses pour cela. Je l'ai reçu il y a un petit moment, 25 janvier. Nous sommes le 2 février. Donc vous allez voir ce haul Lollyshop. Et juste après, va sortir une autre vidéo sur un haul Driessenstofen avec une toute petite intro sur... Des choses que j'ai reçues de chez AliExpress via ma copine Claire parce que moi j'arrive pas à commander sur AliExpress, j'ai réussi une fois dans ma vie, je n'y arrive plus, donc quand on commande des choses maintenant, elle les commande pour nous deux et puis elle m'en envoie une partie. Voilà, donc bah, je remercie parce que moi je sais pas pourquoi j'y arrive plus, quand j'essaye de me recréer ils me disent qu'ils me connaissent déjà, enfin bref. Donc, c'est ce qu'il y aura sur l'autre vidéo. Sur celle-ci, on est sur des tissus Lollyshop. Donc, c'était la période promo qui, je crois, s'est terminée au 31 janvier. La plupart des articles sont encore en ligne. Donc, quand ce sera le cas, sous la vidéo, je vais vous mettre à chaque fois le nom du tissu dans l'ordre de sortie sur la vidéo. Donc, le nom du tissu, la référence et le lien, s'il y en a encore. Je vous ai à chaque fois annoncé ce que j'y avais pensé. Le prix normal et le prix en promo, la plupart étaient à moins 20% à ce moment-là. Il y avait eu après une deuxième démarque, mais moi c'était à la période de la première démarque. Donc vous allez les retrouver. Peut-être ne sont-ils plus en promo, peut-être sont-ils encore sur certains en super promo, je ne sais pas. En tout cas, vous aurez toujours le prix de départ et je le reprécise, mais je le dis pas mal de fois dans la petite vidéo qui suit. Les prix sont toujours marqués hors taxe. Voilà. Donc, un peu comme un fournisseur pro, les prix sont marqués hors taxe et la TVA est rajoutée derrière. C'est très facile, la TVA c'est 20%. Donc, vous divisez par 0, pardon, vous enlevez, vous décalez pardon, le chiffre d'une fois après la virgule et cette somme-là, vous l'ajoutez deux fois. C'est-à-dire que par exemple, pour un tissu à 10 euros, ben, il y aura 2 euros de TVA. Voilà, deux fois 1 euro. C'est comme ça que ça se calcule, c'est facile. Si vous voulez comme ça un petit mnémotechnique pour 10 euros, il y a 2 euros, pour 20 euros, il y a 4 euros, etc. C'est comme ça qu'on calcule les 20% de TVA. Bah, je vous laisse avec la vidéo qui suit. Et puis bah, je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une donc seconde vidéo. Et j'en profite, je le dis aussi dans la vidéo, mais je vous le redis, demain soir sur le groupe Cousons ensemble à moi à Patron. Il y a un cours gratuit avec un patron gratuit que j'ai créé spécialement pour ce groupe qui est le pochon Holeker de ma marque The Esteem. Donc, c'est un pochon pour ranger de la lingerie, mais pas que. Sachez que moi, un des premiers pochons que j'ai fait pour créer ce patron, eh bien, je m'en suis maintenant servi dans ma cuisine pour ranger mon pain que je cuisine moi. Donc, je range mon pain dedans. Ce sont des pochons dans lesquels vous pouvez mettre plein de choses, mais c'est normalement des pochons qui ont été créés pour de la lingerie intérieur satin, extérieur velours, qu'on va monter ensemble avec des chutes si possible que vous avez. Si vous n'avez pas de satin, c'est pas dramatique, vous pouvez utiliser de la viscose, n'importe quel tissu un petit peu tout doux et fin. Et puis pour l'extérieur, normalement il aurait fallu du velours. Vous pouvez aussi utiliser de la panne de velours dans le sens inverse de son extensibilité. Donc vous voyez, on peut utiliser des chutes. Vous pouvez recycler un morceau de tissu, etc. Mais même si vous voulez le faire en jean ou quoi que ce soit d'autre, c'est possible aussi. Normalement, c'est un tissu en chaîne et trame, mais on s'adapte. Eh bien, je vous dis à demain pour celles qui souhaitent me rejoindre sur ce groupe Cousons ensemble, un patron pendant un mois sur Facebook. Voilà, je vous mettrai le lien du groupe d'ailleurs en dessous de la vidéo. C'est gratuit, tout est gratuit. Le groupe, le cours, le patron, il y a des ristournes sur d'autres patrons tous les mois. Enfin, c'est voilà, on vous attend nombreux sur ce groupe. Je ne gagne rien à faire ça du tout. Je ne suis pas rémunérée ni pour donner le cours ni pour avoir créé le patron. C'est de l'échanger du partage. Ben, j'espère vous voir nombreux à cette occasion. Ça vous donnera l'occasion de voir ma façon d'animer un cours et comment je le fais. Et si vous voulez me connaître un petit peu plus, c'est l'occasion. Voilà, ben, je vous laisse avec la petite vidéo.
la moyenne vidéo sur les tissus Loli Shop. C'est en close-up, vous ne verrez pas mon visage. J'ai tourné de façon à ce que vous ne voyez que les tissus. J'étais vraiment pas en état au moment où j'ai tourné. Je me suis mis un bon coup de pied dans le... pour pouvoir faire ensuite le haul face caméra de Dressenstoffen, qui est un très gros haul, trois cartons. Mais celui de Loli Shop, c'est en close-up, vous ne verrez que les tissus, mais c'est pas mal aussi, vous verrez, vous me donnerez votre avis sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt, et puis bah, je vous laisse avec cette vidéo qui suit. Donc le premier tissu que je voulais vous montrer, c'est un crépon. Crépon de viscose lurex, regardez comme il est joli. Alors celui-là n'a pas encore été lavé, donc vous le voyez dans son état, comme il est quand à nouveau je l'aurai lavé et repassé. Je vous dis ça parce que j'ai déjà lavé un autre coupon que je vais vous montrer après, et qui lui est ressorti beaucoup plus resserré. Donc là, ce crépon de viscose lurex argenta yandai couleur rose, il était en promo à 10 euros les 3 mètres, et il est à 6,50 euros les 3 mètres. Voilà, donc là, il y a largement assez 3 mètres pour faire une super jolie robe. Ensuite, il y a le tissu dentelle ton blanc. Voilà. Donc c'est celui-ci. Alors, imprimé fleur rose. Voyez. Alors, on peut faire plein de choses avec. Donc, il y a des petites nuances par endroits de jaune, vous voyez, de bleu pétrole. Les rayures sont bleu lavande et les fleurs sont plutôt dans les tons rouge et rose. Et la dentelle en elle-même, je vais essayer de passer la main dedans pour vous montrer. La dentelle est très claire. Je dirais qu'elle est rose nude, là. Vous voyez, quand on va porter ça sur la peau, ça fait un effet maille dévorée très joli. Donc celui-ci était à 12,50 euros les 3 mètres. Pendant les soldes, il était à moins 20%, ce qui faisait 8,13 euros les 3 mètres. Tout ça, c'est toujours hors taxe chez Loli Shop, c'est toujours hors taxe. La TVA est rajoutée après, vous rajoutez 20% de TVA, bien sûr. Ensuite... il y avait le crépon, donc le même crépon que celui que je viens de vous montrer. Par contre, celui-ci, je l'ai déjà lavé. Et vous allez voir qu'en fait, son effet est beaucoup plus resserré. Mais bien sûr, quand je l'aurai repassé, à nouveau, les rayures seront écartées. Mais regardez, soyez pas surpris quand la lèse ressort du lavage. Alors, vous voyez, il a des jolies nuances, en fait, à Hyundai. Vraiment, j'adore ça. Alors, celui-ci, il a une mission, il va être un pantalon palazzo. Et en fait, regardez... En lèse, on a maintenant, au lieu d'avoir 1m40, on a 1m5, 1m10. Je l'ai dit en rigolant à Sonia de Sugulator qui m'a répondu « Bah oui, tu as une lèse maintenant, c'est comme du wax. » Effectivement, c'est pas encore repassé. Une fois repassé, j'aurais récupéré la lèse normale. Mais ne soyez pas surpris et surprise, à la sortie de la machine, ça rétrécit, ça se rétracte en fait, parce que le coupon de crépon, au départ, bah, le crépon, ça a toujours cet effet froissé. Vous pouvez garder cet effet froissé. Par contre, il va falloir couper vos pièces avec un effet froissé, c'est-à-dire que quand vous allez poser vos pièces de tissu, vous les posez sur le crépon froissé. Donc celui-ci, pareil, était à 7,42 le mètre. Non, pardon, je me trompe. Il était à 12,50 €. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Crépon. Non, il était à 7,42 le mètre, mais il était à moins 20%, ce qui faisait 4,82 le mètre. Et pour 3,50 m, on est à 16,87 €. Voilà, ensuite il y avait une dentelle, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais ça m'arrive, hein, les surprises, vous savez. J'avais commandé une dentelle parce que moi je fais pas mal de projets en ce moment par rapport à des dessous, entre autres mes kits à le coudre. Et en fait, j'avais commandé une dentelle, je ne m'attendais pas du tout à ce que l'envers, ce soit une sorte de satin un peu travaillé comme ça. Et là, on est presque plus sur une matière qui pourrait complètement faire une robe un peu qui aurait de la tenue ou une veste. Pour Noël 31, que la dentelle à laquelle je m'attendais. Alors pourquoi pas, peut-être sur certains appliquer de lingerie, sur des modèles de lingerie, mais ça n'ira pas pour faire de la lingerie puisqu'il y a absolument zéro extensibilité, voyez. Alors les festons étaient très jolis, le motif est très beau. Il y en a 3 mètres, c'était 12,50 € les 3 mètres, mais avec la promo, ils étaient à 8,13 € les 3 mètres, toujours hors taxe. Et ça s'appelle dentelle modèle Aliénor. Alors vous voyez, ça va être dans mon stock d'hiver l'année prochaine pour des choses un peu habillées, voire même une nappe de Noël un peu classouille.
Ce sera certainement pas, vous voyez, vu la rigidité, pour porter en dessous. Pardon, il y a un petit peu de bruit, on fait des travaux à la maison. Ensuite, jersey coton tubulaire, motif rayure marine fond blanc. Donc les rayures, elles sont bien à peu près tous les 1 cm. Hein. Les rayures sont assez fines, je ne m'attendais pas à regarder par rapport à ma main. Je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient si rapprochées quand je le voyais sur le site. Alors c'est un petit peu transparent, ce qui n'est pas très très grave. Et quand on nous dit maille tubulaire, voilà. Donc moi, tout ce qui est là, tout ce qui est le plus clair n'a pas encore été lavé. Mais c'est bien façon tube, regardez. C'est comme un tube de bord côte. Regardez, le bord est infini, c'est vraiment un cercle le bord. Ça ne change absolument rien, c'est juste que c'est vendu comme un cercle, voilà. Vous pouvez vous en servir pour faire du bord côte. Alors, est-ce que niveau extensibilité, oui, ça pourrait le faire. Le bord côte, il faudrait pratiquement qu'il y ait 50% d'extensibilité. On ne doit pas en être très très loin ici, peut-être on a 40. C'est pas forcément super transparent. Là, j'ai ma main en travers, est-ce que vous voyez? C'est pas forcément super transparent. Le blanc est un blanc un peu blanc cassé. Et le bleu marine est très très foncé, presque noir. Mais par contre, c'est qualitatif. Puis ben là, je ne l'ai pas encore lavé. Ça. Tout ce qui était clair que vous venez de voir, à part le crépon bleu foncé, n'a pas été encore lavé. De ma commande, c'est tout ce qui n'a pas encore été lavé. Et donc là, c'était 15,83€ les 3 mètres hors promo. En promo, c'était 10,29€ les 3 mètres. Voilà. Ensuite, il y avait de la maille peach. Alors la maille peach, moi, je l'ai choisie directement. Mais c'est vraiment été très très rapidement dans mon panier. Bien que sa couleur soit assez originale. Voilà, pareil, on est sur l'Italian Dye, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Pardon pour le bruit. Donc regardez, ici dans ma maille peach, par moment on dirait que de façon gravée, et en fait c'est de l'impression à chaud, c'est floqué à chaud, comme on peut le voir à l'arrière, vous voyez, ça crée des plis sur l'arrière, et sur l'avant ça fait comme si on avait creusé la maille autour des fleurs, et il y a des strass. Et régulièrement, comme ça, il y a des fleurs. Je ne sais pas si c'est toujours ce motif-là ou un autre. Non, c'est toujours ce motif-là répété. Voilà. Et donc, il y a des fleurs partout. Et le but du jeu, c'est vraiment des matières qui sont faites pour ça. C'est de se faire soit un legging, soit une brassière de sport, soit un juste corps de danse. Ils sont vendus pour ça, juste corps de danse, de gym. Moi, je me vois très très bien faire un legging de marche, quoi, de sport. De course à pied quand je pourrais recourir, et une brassière de sport, et puis peut-être aussi, puisque j'en ai 3 mètres, alors je rappelle le prix, 16,67 les 3 mètres, mais ils étaient à moins 20%, ce qui était 10,83 les 3 mètres, et en fait ce tissu-là, il est parfait pour aller faire des tests de maillot de bain par exemple, ou pourquoi pas carrément un maillot, bien sûr en le doublant avec une résille particulière. Je ne sais pas sa réaction au niveau de l'eau, je ne sais pas si les strass restent longtemps en piscine ou en mer salée, mais en tout cas, pour faire dans les chutes, moi, de mon legging et de ma brassière, des essais de maillot de bain, ça va être parfait. Et vous voyez les couleurs, on est sur des parmes, des violets, c'est très très, des coloris très doux par endroits, très fort à d'autres. J'aime énormément cette maille peach. Voilà. Donc ça, c'est la maille peach. Ensuite, j'ai pris une résille Plumpty. Alors là, c'est pareil, c'est pour mes projets de lingerie. Elle est magnifique. Là, je l'ai déjà lavée aussi. Donc voilà, la résille n'était pas encore lavée, le reste, tout est lavé. Voilà, cette résille lavée, elle n'a pas bougé. Elle est parfaite. Elle est à Plumpty. Elle est bleu marine. Elle est superbe. Vraiment, très très belle qualité. C'était normalement 8,25€ les 3 mètres. Et j'ai eu, moi, 5,36 les 3 mètres. Par contre, j'étais surprise, je ne suis pas persuadée. Je n'ai pas remesuré. Oh si, je dois bien les voir. Je ne savais plus. Il y en avait une pour laquelle je ne savais plus si j'avais acheté au mètre. Mais non, regardez comme c'est beau. Là, vous la voyez, je crois, sur l'envers. Et là, vous la voyez sur l'endroit. Imaginez de la lingerie avec ça, c'est superbe. Très, très belle texture, facture, tout ce qu'on veut. Jolie élasticité. Voilà, alors, c'est quand même, c'est pas non plus hyper, hyper, hyper extensible, mais c'est fait vraiment pour de la lingerie. C'est pas trop, trop extensible non plus pour qu'il y ait un petit peu de tenue aussi. Elle est vraiment super chouette, cette résille. J'ai voulu essayer ce que c'était que le tissu banlon, et j'en ai pris du noir et du bleu marine, et je me suis dit que je ferais mes premiers. Alors, vous voyez, plus chatoyant que ce qu'il n'est, mais il est quand même très joli, ça sèche très vite. Les 3 mètres étaient à 4,17€. Donc en bleu marine ou en noir.
C'est marqué pour habillement vendu en coupon. Et en fait, ce que Sonia a expliqué très bien dans la vidéo qu'elle avait présentée, c'est qu'on peut faire par exemple des petits tops, etc. Il peut paraître un petit peu transparent quand on regarde à la lumière du jour, mais en réalité sur la peau, il ne l'est pas du tout. Il est très très extensible dans ce sens-là. Regardez, je vous montre. Très 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 extensible. Je vais en prendre une toute petite partie. Regardez, je sors du champ, tellement c'est extensible. Vous voyez? Il est au moins 50% d'extension, presque, même peut-être 100% d'extensibilité sur celui-là, c'est incroyable comme il est extensible. Si de 10, on arrive à presque 20, ouais, il y a presque 100% d'extensibilité. Je l'ai pris en noir et je l'ai pris en bleu marine, et c'est vraiment pour me faire des essais de lingerie. Donc, en noir, le voici. Alors, c'est un peu brillant, un peu satiné, c'est vraiment une matière qui est sympa, et pour le prix, et puis c'est mat, on peut se faire des petits t-shirts. Voilà, des petits. Oh, alors, je ne dis pas qu'on ne va pas transpirer dedans, bien évidemment, c'est sur du 100% polyester, mais enfin, à 5 euros les 3 mètres. Pour faire des essais, c'est vraiment pas mal. Ensuite, un gros coup de cœur. Et là, lavé, je les trouve encore plus belles. C'est ce que j'avais dit aussi à Sonia, toujours sous Gulletter. Hein, quand je dis Sonia, c'est d'elle dont je parle. Je trouvais que lavé, elle était vraiment ressortie magnifique. Dès que mon mari l'a vue, il m'a dit, tu vas me faire un pull dedans. Je dis, oui. En fait, j'en ai 3 mètres, je peux lui faire un pull à lui et un pull à moi. Pour moi, j'ai le projet avec le crépon que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui est ici. Hop, voilà, en tirant dessus, je vais vous montrer. Là, ça va être un pantalon palazzo. Et là, j'ai envie de me faire un pull à col bateau, assez long, un peu tunique, non resserré au bas, plutôt même fendu dans le bas, un peu un ensemble de plage 1920. Vous voyez, je regarde Downton Abbey en ce moment, ça doit m'influencer sur ma mode. Et puis pour mon mari, ça va être un pull tout simple, peut-être un flex, mais en tout cas, il a énormément aimé cette maille torsadée. J'en ai 3 mètres. Donc le coupon de 3 mètres Unimarine, au prix normal, était à 20,75, mais il était à 13,49 en promo. Voilà. Ensuite, il y avait un tissu hyper, hyper, hyper qualitatif, qui est du tissu italien pour faire des costumes pour hommes. Donc c'est celui-ci. C'est vraiment des jolies matières, vous voyez. Ça fait vraiment très très. Ça pourrait être un pantalon de costume de mariage, hein, sans aucun problème. L'envers est comme ça, un peu un effet petit pois. Là, vous voyez bien la qualité. Ça se froisse pas. Enfin, c'est vraiment un très très beau, très très belle qualité. Ils mettent qualité premium, hein. Donc, il était à 20,83 € les 3 mètres. Moins 20%, il est à 13,54 € les 3 mètres. Et vraiment, pour faire un pantalon à mon mari, c'était vraiment l'idée de lui faire un chino là-dedans. Un pantalon habillé, je trouve que c'est pas mal. On peut avoir des occasions de mettre des pantalons habillés. C'est pas son grand kiff parce qu'il aime généralement pas les chaussures qui vont avec les pantalons de ville. Il est plus à l'aise dans des chaussures un peu plus confort. Voilà, mais enfin, confort, basket plutôt en général. Mais je Ça peut être vraiment l'occasion. Il est à peine brillant. Il est vraiment très très joli. Ça peut faire vraiment un très très joli pantalon de ville habillé. J'aime énormément. Ensuite, on avait un tissu velours côtelé noir. J'en suis ravie. Alors, il n'a pas d'extensibilité. C'est pas ce que j'avais besoin sur ce tissu. Alors, il prend un petit peu les peluches chez Vrai, mais alors il est hyper qualitatif. Donc là, il est bien noir. C'est un velours. Je ne sais pas si c'est un 500 raies ou un 1000 raies. J'aurais dit un 1000 raies. Donc c'est un coupon de 3 mètres également. Donc là, vous le voyez tel qu'il est lavé, il est souple. Il ne va pas énormément, énormément se froisser. Donc tissu velours côtelé noir, il était à 20,83 € les 3 mètres. Il était à moins 20%, ce qui fait 15,63 € les 3 mètres. Et là, vraiment, j'ai deux projets pour dedans. J'ai une robe salopette et un autre projet. Et les deux, tranquillement, vont aller dedans dans les coupons de 3 mètres. Je vous montre sur l'envers. C'est vraiment un chaîne et trame. Alors, chaîne et double trame en réalité, le velours, puis ensuite il y a une des deux trames qui est coupée en poils très courts pour faire l'effet velours. Et voilà, on est sur de la rigidité à fond, il n'y a pas du tout d'extensibilité dans ce tissu. Il a une très belle épaisseur, il est fin, mais il est quand même résistant, on voit que ce n'est pas de la gnognotte, enfin vraiment, il est vraiment chouette. Donc, 3 mètres en noir. À refaire, j'aurais pris plusieurs couleurs, on met 3 mètres en noir. Le velours est au départ pas forcément quelque chose que j'aime beaucoup, et là au toucher il me dérange pas du tout, il est en plus souple, faut pas qu'il soit trop trop rigide, il est pas non plus trop fin, trop trop mou, il est souple sans être mou, voilà. Et donc j'en ai pris 3 mètres.
Ensuite, on a oh, une viscose. Alors, c'est vrai que j'ai trouvé que ça faisait très joli l'association du rose et du bleu marine. Donc, je vais avoir l'occasion de faire un bas bleu marine. J'avais bien envie de me faire une blouse rose, comme vous voyez. Alors, elle a un fin plumeti blanc sur le fond. Comme on peut voir, un plumeti irrégulier, des plus ou moins gros pois. Ici, un gros pois, ici, des plus petits pois. Et en fait, ensuite, ce sont des fleurs un peu comme des fleurs séchées, mais dans des tons bleu-jaune et un vert un peu vert kaki foncé, vert militaire un peu ici. Et donc, je trouverais ça très très joli en blouse sur un bas bleu marine. Donc, elle est un petit peu transparente, c'est une viscose pourtant très qualitative, transparente à regarder, mais pas forcément au porté. Vous voyez, on ne voit pas forcément complètement ma main en travers. Elle est fine, c'est vrai, on voit un petit peu mes bagues ici. Voilà, vous voyez un petit peu mes bagues ici, mais c'est léger, léger. Donc bah là, pareil, celle-ci n'est pas encore lavée, j'ai pas encore lavé les tissus clairs, mais elle me semble tout à fait qualitative. J'en ai pris 3 mètres. Les 3 mètres étaient à 10 euros et en promo, les 3 mètres étaient à 6,50. Ensuite, pour la cape des filles, parce que je vais faire le tuto de la cape des filles prochainement, j'attends qu'Anaïs puisse me renvoyer le patron. Donc la cape, quand je dis défi, c'est les bobines paternes et la cape c'est caresse. Et voilà le tissu dans lequel je vais la faire. Alors, mon mari, quand il a vu ça, il me dit oh, je ferais bien une veste dedans. Je dis, ça tombe bien, je vais faire une cape, puis je verrai après avec ce qui reste. C'est un tissu bouclette fond noir. Donc c'était 16,67 les 3 mètres avant la promo. Ils étaient passés à 10,83 les 3 mètres. C'est très souple, c'est extensible dans les deux sens, mais de façon un peu légère, vous voyez. Surtout, c'est très très joli. Le toucher est très doux. Alors à l'intérieur, c'est très 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 doux. L'extérieur est quand même doux. C'est pas rêche pour un aspect un peu de lainage. Et puis il y a des rayures comme ça, régulières, comme vous voyez. Enfin régulières, irrégulières, pardon, mais régulièrement sur le tissu. Et pour moi, les rayures sont plutôt dans des tons ivoire à blanc sur fond noir. Donc j'ai trouvé très chouette. J'ai trouvé très chouette ce tissu bouclette. Donc 10,83 les 3 mètres en promo. Ensuite, alors là c'est pareil, j'ai mal lu l'intitulé, mais c'est pas grave. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. En réalité, c'est un tissu dentelle et non pas une dentelle. Donc il n'y a pas d'extensibilité, c'est vraiment une dentelle sur tissage, comme on peut le voir ici. C'est vraiment du tissu ça. Et puis tous les bords de ce tissu étant festonnés et recouvert un peu sur un système de points de bourdon associés aux autres, ben, on arrive avec toutes ces arabesques à faire un tissu complet. Donc voilà ce tissu dentelle. Bleu marine, presque aussi. Alors, ce n'est pas exactement le même ton que ce que vous voyez, mais c'est tout aussi chatoyant et joli. Moi, j'aime énormément ce tissu hein, en fond. Vraiment, je trouve ça très joli. Ça peut complètement être une chemise évasion, par exemple, hein, sur un pantalon bleu marine avec un joli haut Jacqueline en dessous. Bleu nuit, ça peut vraiment être très chouette. Donc, tissu dentelle à fleurs bleu marine. Donc, celui-ci est déjà lavé. Hein. Vous le voyez tel qu'il est quand il est lavé. On est sur un des tissus foncés que j'ai déjà lavé. On était à 12,50 les 3 mètres avant la promo. On est passé à 8,13 les 3 mètres. Voilà, c'est l'avant-dernier tissu. Et je vais vous montrer le dernier. Alors, celui-là, j'ai hésité à le prendre et j'ai hésité à pas le prendre. Bon, j'étais pas sûre que ce soit tout à fait mon style. Et il s'avère que ben, j'aime vraiment bien. Pardon, j'ai un petit morceau de papier collant sur la main. Alors ça, c'est l'envers. C'est une maille un peu jersey. Et c'est un jacquard, en fait. Alors, c'est un grand panneau. Vous allez trouver ce motif-là d'un des côtés du panneau. Vous allez le retrouver à nouveau au milieu. Et moi, c'est ce que je ne savais pas quand j'avais vu ce tissu. On le retrouve à nouveau au milieu du panneau. Et on le retrouve à nouveau sur la fin du panneau. Voilà. Donc, on le retrouve trois fois. On le trouve ici au bout. Puis, quand on continue, on retrouve au milieu. Et sinon, c'est sur fond marine. Et en fait, ce sont des fleurs. On a du blanc, du vieux rose, du rose un tout petit peu plus corail. Voilà. Un petit peu de gris presque kaki, tous les petits points là, c'est gris un peu kaki, par exemple ici au niveau des feuilles et tout. Donc je trouvais pas mal. Alors c'est vrai que ça va peut-être vous donner un aspect un peu à l'ancienne, quoi.
Je sais pas, j'aime bien. Donc c'est extensible, hein, très très extensible. C'était surtout la bande du milieu. J'imaginais avoir une plus grosse partie bleu marine au milieu, puis simplement les bords en fait avec des grandes grandes marches comme ça. Parce que là, de là à là, du côté de la lisière jusqu'ici, on a facilement 30 cm hein, de chaque côté. Et j'imaginais que le reste allait être bleu marine. Et non, il y a de nouveau une bande d'au moins 25 cm centrale là, qui est aussi fleurie. Donc j'ai pris un coupon de 3 mètres, il était à 15 euros les 3 mètres avant d'être en promo, il était ensuite à 9,75 les 3 mètres, tous les prix que je vous ai annoncés sont hors taxes. Et c'est donc le tissu que j'ai pris en dernier. J'ai reçu très rapidement cette commande, j'ai commandé tout ça le 19 janvier, j'ai dû recevoir ça le 25 janvier dans mon point relais. Donc j'ai été très satisfaite de la rapidité du service, je suis très satisfaite de la qualité des tissus. Je suis toujours sur ma recherche de tissus principalement. Alors, il y en avait beaucoup là qui étaient pour mon usage personnel, mais je suis toujours sur ma recherche de tissus de lingerie. Donc, bah, je vous tiendrai informée, mais je pense qu'il y a une très 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 bonne note sur ce tissu-là, sur la résille marine que je vous ai montrée tout à l'heure. On est vraiment pas mal. Et même si celui-ci, je l'utilise pour autre chose, j'ai un gros coup de cœur pour ce tissu parce qu'il est très beau. Et vraiment, la résille marine, c'est une super découverte parce que vraiment, elle va complètement correspondre aux besoins que j'ai. Sachez qu'ils viennent de sortir plein de résilles de toutes les couleurs et que je vais en avoir bientôt un morceau de chaque couleur à vous montrer, en tout cas une bonne partie de chaque couleur à vous montrer. Donc bah voilà, merci Tissu Loli Shop parce que c'est ben, franchement une super qualité, un service vraiment bien, un envoi rapide. Et j'ai eu deux tissus, j'ai oublié de vous montrer en cadeau. Alors c'est vrai que c'était une grosse commande, c'était j'imagine pour me récompenser de mon arrivée dans leur clientèle. Et puis c'est vrai que j'ai comment fait une grosse commande. Donc il y avait cette mousseline très très jolie, très fine, que je vais laver avec le tissu clair justement là, à cause de son fond blanc. Alors c'est très très fin, mais c'est très très joli. Ça fait un petit charme désuet, j'aime énormément. Alors je crois qu'on était sur l'envers, voilà sur l'endroit. Donc je ne peux pas vous dire combien j'en ai, je dirais un bon 1,50 m. Et pareil, j'ai eu une autre mousseline un peu plus crépon. Cette fois-ci avec des petits fonds papillons un petit peu dans les tons jaune, vert et bleu. Voilà, pareil, surprise dans ma commande. Là j'en ai bien aussi un 1,50 m facile. Voilà, et c'est vraiment un peu une mousseline crépon quoi. Ah, c'est pas du tout extensible, ce serait presque plus un voile un peu crépon. Il précise pas. Bon, c'est un tissu qui vient de Chine visiblement parce que c'est écrit ici en chinois. Mais la qualité est chouette. C'est vrai que c'est souvent des motifs papillons, des choses comme ça. Ah, il y a un petit accroc par contre. Bon, bah, c'est une chute hein, qui m'a été envoyée gratuitement. Il y a juste un petit accroc ici. À moi de trouver un modèle qui puisse slalomer entre les trous, c'est pas du tout un souci. C'est tellement mieux d'envoyer à une couturière ces chutes que de les jeter ou d'en faire n'importe quoi, de les envoyer à recycler. Une couturière, ça lui fera toujours plaisir. En tout cas, moi, merci, ça m'a fait très plaisir. Voilà, c'est ici que s'arrête ce haul Loli Shop. À suivre de nouvelles commandes, y compris un très gros haul Dress and Soften que je vous ai promis. Et de nouveau, il y aura aussi des tissus Loli Shop à venir. À bientôt, merci beaucoup pour votre attention et plein de gros bisous. Je vous laisse parce que comme vous l'avez compris, j'ai lavage de tissus et couture.